Vois-tu, tu peux pas sortir. Domenico veut que tu restes dans ta chambre. Deux jours et deux nuits enfermés, ça suffit. Moi, j'ai besoin d'air. Tout ça ne m'amuse pas, mais je fais ce que Domenico me dit. T'as un revolver? Allez, allez, va. Fais pas le couillon. Non, mais je serais curieux de savoir ce que tu vas faire. Hein? Tu vas probablement m'assommer. Et alors? J'aime pas cette histoire. Je te l'ai déjà dit. Pourquoi fais-tu ce qui ne te plaît pas? Parce qu'il y a des choses dont j'ai envie, et pour les avoir, il y a des choses que je suis obligé de faire. Pas plus compliqué que ça. Et maintenant, tu rentres dans ta chambre. Mais qu'est-ce que t'attends? Je bouge pas? T'as la trouille? Tu vas te contenter de tenir ton poignet raide. Bien raide. Et je vais faire le boulot pour toi. Tu es dingue, non? C'est complètement dingue. Tu ne dois tout de même pas mourir pour ça. Tu commences à comprendre. Vous aimez bien être sale. Vous avez aussi essayé de me rouler avec votre histoire de bouteille de vin. Quelle histoire de bouteille de vin? Je vais attendre ma mère. Je peux avoir une orangeade? Tu peux pas, non. Pourquoi? Vous n'avez jamais d'argent? C'est vrai que vous ne me reconnaissez pas. On s'est déjà vu, c'est vrai? Bien sûr, vous avez dit que vous connaissiez ma mère. Alors, je t'ai menti. Ou peut-être pas, je sais plus. Quand je vous ai vu, vous étiez couché sur la plage. Couché, tout habillé. Pas très convenable, hein? Vous aviez un drôle d'air. Bien sûr, vous ne savez plus à quoi vous pensez quand je suis arrivée. Ma petite fille, je vais t'étonner. Je sais très bien à quoi je pensais. Je pensais à une femme qui est morte. Vous la connaissiez bien, cette femme-là? Maintenant, j'ai l'impression que je ne connaissais qu'elle. C'est ridicule, hein? Moi, mon nom, c'est Jennifer. Et vous, c'est comment? Stéphane. Pour l'orangeade, c'est vraiment impossible? Vraiment. Mais si t'en as trop envie, tu vas demander au patron de t'en servir une. M'arrangerai. Allez, vas-y, j'ai une combine. Sérieuse? Invraisemblable. Mais au point où nous en sommes. J'ai changé d'avis. Jennifer, t'es quoi? T'es anglaise? Américaine. Et vous? Français. Tu connais l'histoire des éléphants? Laquelle? Des éléphants qui passent sur les Champs-Élysées. Non, je la connais pas. Bon. C'est un monsieur qui boit un verre de bière sur les Champs-Élysées. Et il voit passer trois éléphants. Alors il s'arrête de boire et il dit, tiens, trois éléphants. Puis il se remet à boire. Une heure plus tard, il voit repasser les mêmes éléphants sur le même trottoir. Et il dit rien. Tu sais pourquoi il dit rien? Non. Parce qu'il ne la reconnaît pas. Et tu sais pourquoi il ne la reconnaît pas? Non. Parce qu'ils ont mis les lunettes noires. C'est marrant, hein? Pas terrible. Non, pas terrible.